Voilà, on va faire la correction. Oui, on va faire maintenant la correction, mes chers élèves. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Vous avez bien révisé la partie de conjugaison? Oui, le présent du verbe aller et faire, vous avez bien maîtrisé? Oui. Alors, conjuguer le verbe aller au présent. Allez, je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Conjugue le verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, elles font, elles font. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement corriger. Alors, ici, on dit tu vas avec S, elle fait avec T, mes parents font avec T, elles vont avec T, nous allons avec S et je fais avec S. Voilà, normalement. Alors, on va changer de couleur si vous voulez bien. Avec S. Avec S. Avec S. Voilà, on va changer de couleur. 3 à 3 en égalité. Et là, on va écrire ici qui va avec S. Elle fait avec T. Ils font avec T aussi. Mes parents vont. Elles vont avec T aussi. Nous allons avec S. Et je fais avec S. C'est bien. Voilà. Tu vas. Elle fait. Mes parents font. Elles vont. Nous allons. Je fais. On passe. Alors, on continue. Deuxième exercice. Choisis le sujet qui convient dans la liste. Il y a. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S, ce sont les pronoms personnels sujet. Et très connus. Alors, ici, on peut choisir je, oui, pourquoi pas. Mais c'est un peu gros, on peut laisser un petit peu. Non, c'est. Voilà, c'est convenable. Voilà, on dit je fais, nous allons, on dit nous allons, vont, on dit elles vont, faites, qu'est-ce qu'on dit, on dit vous faites. Vous faites, vous faites, vous faites. Ici, on dit elle va. Alors, je fais, nous allons, elles vont, vous faites, elle va. Je répète, je fais, nous allons. Elles vont, vous faites, elles vont. Et troisième exercice, complète les phrases en conjuguant le verbe aller au présent. Mais avant, s'il vous plaît, écoutez bien. Avant de faire cet exercice, il vaut mieux de vous entraîner la conjugaison du verbe aller au présent. D'accord? Pour ne pas recopier tout simplement, non, il faut apprendre par cœur et maîtriser la conjugaison. D'après les entraînements. Quotidien. Quotidien. Je m'excuse. Alors, on dit vous. C'est facile. On dit vous allez. Le troupeau, c'est il. C'est-à-dire, on peut remplacer par le pronom personnel il. Il va près du ruisseau. Ou le troupeau va près du ruisseau. Tes parents, si il avec S, on peut remplacer par quel pronom là, c'est il avec S. Alors, on dit il, voilà, tes parents, voilà, il, voilà, avec S, voilà, c'est facile. Alors, tes parents,
Vont-ils se vont vont-ils se vont à la plage? Tu vas, c'est une faute là. Qu'est-ce que j'ai oublié hein? Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est très bien, j'ai oublié S. Alors, en passant. On efface ça. On efface ça. Oui. Efface ça. Voilà. Alors on dit vous allez. L'autre pauvre va. Tes parents vont-ils se vont, tu vas prendre du retard. Voilà. Et alors, il reste quatrième et cinquième activité. C'est pour tout de suite. Complète la phrase en conjugue le verbe faire au présent. Mais avant de faire cet exercice, il vaut mieux de vous entraîner comme il faut. D'accord? Le verbe faire au présent, c'est la même chose pour le verbe aller. Les deux sont très importants pour vous. Alors, correction. On dit je fais de la bicyclette. Je fais. Avec S. Ici, nous faisons des efforts. Nous faisons, d'accord, avec AI, ça prononce E. Nous faisons des efforts. Alors, ici, c'est fait-il. Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Fait-il beaucoup de gymnase? Elle. Oui, on dit elle fait. Elles font le repas pour toute la famille. Complète les phrases en conjugue le verbe aller ou faire au présent. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les courses. On choisit le verbe faire, c'est pas le verbe aller. Et je fais acheter des poissons. Non, je vais acheter des poissons. Je vais acheter des poissons. Nous faisons au restaurant, non. Nous allons au restaurant. Vous allez attention à votre nourriture, non. On dit vous faites attention. D'après, bien sûr, le sens de la phrase. Alors, c'est insensé de dire mon frère va à les courses. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Mon frère fait les courses, je vais acheter du poisson, nous allons au restaurant, vous faites attention à votre nourriture. Il fait froid, alors tout le monde tombe malade. Dieu merci. Mon frère fait les courses, je vais acheter des poissons, nous allons au restaurant, vous faites attention à votre nourriture et vous faites attention à votre santé puisqu'il fait froid. Nous sommes en mars, il fait froid un peu. Voilà, c'est tout pour le moment, merci. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.